Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la suite des aventures de Trial HD. Pendant la coupure qu'il y a eu entre les circuits moyens et les circuits difficiles, j'ai eu toutes les médailles d'or sur les débutants, faciles et moyennes qui me manquaient. Donc là, on va attaquer les difficiles. Je ne vais pas viser les médailles d'or. Je vais essayer de viser un bon résultat, mais je vais pas recommencer la course 15 000 fois si j'arrive pas à avoir un bon résultat. Le but n'est pas là. Je le ferai en off. Mais on va essayer de faire quand même des bons résultats, donc il y a quelques circuits que je risque de relancer. Alors, j'ai très très peu de souvenirs des zéro fautes, des zéro fautes, très très peu de souvenirs des circuits difficiles. Là, apparemment, j'ai fait que 4 fautes et ça doit être pas mal, je pense, pour l'époque. Parce que le premier circuit difficile, si je me rappelle bien, il est pas facile facile. On fait pas mal de, voilà, on fait pas mal de climb. Et ça, c'est dur hein, quand on démarre à trial. C'est assez pénible quand on démarre à trial. Ah oui, c'est ce circuit-là. Aïe, 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 je vais pas avoir assez de vitesse. Il est galère ce circuit à cause de ce passage-là. On va recommencer. Il faut vraiment que je le prenne bien si je veux tenter le zéro faute, mais à mon avis, ça va être tordu. Allez. Ça fait trop plaisir, n'empêche de revoir l'entrepôt avec la ville à l'extérieur qu'on voit en ombre et tout avec les musiques. C'est vraiment mes pures nostalgies. Allez. Ah merde, c'est là que j'aurais dû freiner. Oul. Ah, ça va être short. Ah, c'est bon, ça passe. Waouh. C'est bon, c'est passé. Putain, mais j'ai la musique de l'alphabet dans ma tête, j'arrête pas de la chanter à ma fille. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. J'avais fait 5 fautes sur plage dynamique. 5 fautes sur plage dynamique, c'est quoi déjà ce circuit? Vous qui rejouez à Trial HD, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à... Ah non! Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Trial Evolution, Trial Fusion? Parce qu'il est vraiment à part au niveau de la physique. Il est vraiment vraiment à part au niveau de la physique, il est vraiment différent et... Ouh! C'est bon. Est-ce que vous comptez y rejouer maintenant qu'il est en rétrocompatibilité de manière plus prononcée? Ou alors c'est vraiment juste vous allez renaître... Oh là là, c'est vrai que ce passage il est relou. Ou alors vous allez seulement passer dessus en mode nostalgie légèrement. Et après il faut que je saute ici. Là il faut que je fasse... Ouais, c'est ça, faut que je fasse tomber ça, ensuite ça va s'ouvrir, il va falloir que je fasse un demi-tour. Ouais c'est ça, putain, je me rappelais. Ah oui, celui-là il était marrant. Faut juste que je le fasse rouler jusqu'à sortir de l'entrée. Voilà, tranquille. Ouhou! Trop rapide! C'est bon. J'avais surkiffé. Ce pont-levis, à l'époque, il était juste hyper, hyper, hyper kiffant au niveau de la physique. Une excellente idée d'obstacle. Oh, ah ouais, je le trouvais impossible, cet obstacle. Non! Non! Ah bah, je vais pas viser le zéro foot là-dessus, parce que les circuits où il y a de la physique comme ça, ça me prend des plombes pour réussir un zéro foot. Oh putain. Ah, c'est bon. Tac, là. Ah oh ouais, c'est que ça, c'est que de la physique. Trois fautes. Ah, j'ai la médaille d'or avec trois fautes, dis donc. Ok, bon allez, attends, on va la retenter. On va la retenter. On va la retenter longtemps, mais... On va la retenter un peu. J'ai l'impression qu'il y a un passage secret plus haut. Merde. C'est pas un passage secret, c'est la suite du niveau, tout simplement. Aïe. Salut, Sensei. Là, les choses sérieuses commencent, Sensei.
Concentration. Merde, je peux aller assez haut. Allez. C'est bon. J'ai ouvert le passage. On escalade. Il est vraiment casse-gueule ce truc parce qu'il faut faire casser les planches. Il faut aller assez vite. Et voilà, c'est exactement ce que je disais. Il est extrêmement casse-gueule. Salut HP. Ça va? C'est un plaisir de te voir. Alors, tu t'es parmi à Trial HD? Nous montrer ta skillitude de l'extrême extrémitude. T'y jouais au fait à Trial HD? Je m'en souviens même plus de ce que tu m'as raconté, si t'y jouais ou pas à Trial HD. Tu passes rapidement? Bah, ça va. Séance nostalgie. J'essaie de faire des bons scores sur les extrêmes et les difficiles. Voilà. Hein. La tête était beaucoup plus résistante qu'avant. Et ça fait mal, hein. Si, je me suis remis et ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Hein. J'avais oublié que la physique, elle était aussi différente comparée à Trial Evolution et Trial Fusion. Mais vraiment hyper différente, quoi. C'est un truc de dingue. Mais c'est trop un plaisir de voir. Pour la petite histoire, j'avais que des médailles de bronze sur les extrêmes, entre 90 fautes et 120 fautes. Donc je pense que là, je vais pouvoir au moins décrocher la médaille d'argent ou voir la médaille d'or, même si je me démerde bien. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que j'ai vraiment progressé sur Trial, en général. Faudrait qu'on s'attende si t'as de la place. Faut que je fasse de la place, d'ailleurs. Faut absolument que je fasse de la place. Faut que je regarde ça de plus près. Putain... Faut absolument que je fasse que je regarde de plus près ma liste d'amis. Et que je me add. Et que j'aide Kylie Man, que j'aide toi et pas mal d'autres personnes pour avoir les circuits. Pour avoir au circuit. Entre autres. Bon allez, je réessaye une fois en zéro faute et si j'y arrive pas, on passe au circuit d'après. C'est trop un plaisir pour moi de galérer à platiner. Moi, je galère à avoir les médailles d'or sur certains circuits. C'est un truc de dingue. Alors, les platines, je lutte pour la médaille d'or. Quand je vois la platine qui est à 5 secondes derrière, je fais non, c'est pas possible. Ce jeu. C'est abusé comment il est difficile. Blubby, hey Dali, hey Dali, ça fait plaisir de te voir, Blubby. Enfin, ça fait plaisir de te voir. Enfin, peut-être que je parle en français. I said. I talk to you in French. Maybe it's better to talk to you in English. Or in German. Danke. Non, mais non, c'est pas danke. Guten Tag. Gute Noche. Gute Nota. Je pense. I don't remember how we say good night. Salut Bilolo. Ah, sorry, Blubly. I don't speak English many. Hein, because. The guy who. Ah! The guy who look my stream doesn't speak English, so it's not good for him. 12 fautes j'avais fait. Guten Tag, Guten Nacht. C'est ça, c'est Guten Nacht. à celui-là. Salut Monsieur Kimikazing. Je stream souvent depuis le passage rétro du HD. Je streamerai ce soir aussi si tu veux passer. Après mon stream, je pourrais passer. Si tu streams plus tard dans la soirée, je vais pas streamer longtemps de toute façon. Enfin, quand je dis pas longtemps, je fais peut-être une petite heure, une heure et demie. Et après, je vais voir ce que je vais faire. Mais j'ai pris du galon, mais c'est trop plaisir. I will be fine, just watching, don't worry about me, not understanding this thing. Yeah, I know. Ah, oh, fuck it. Just I upgrade my skills very much since HD. I do extreme track on HD with 100 fault, and now I think I can do with many few fault. I'm happy to see my skill raise at this level. Vers 22h30, 23h, ah bah si j'y pense, je passerai. Zéro faute, c'est magnifique! Salut Gunner, ça fait plaisir de te voir! Ah, rêve de béton. 6 fautes? Une fois que j'aurai fini
Merde, une fois que j'aurai fini ma séance de nostalgie sur Trial HD, on va reprendre les streams réguliers sur Trial Fusion, parce qu'il y a du boulot sur Trial Fusion. Et j'ai un nouveau setup de stream qui marche plutôt bien, qui me fait gagner énormément de temps aussi au niveau du montage. Donc ça devrait être beaucoup plus cool. J'ai fait 2-3 tests aujourd'hui, vous avez dû voir, si vous suivez ma chaîne, vous avez dû voir que en l'espace d'une journée ou de deux journées, il y a eu 5 ou 6 vidéos, même peut-être plus. Oh le salaud! Eh, par contre, les ressorts parfois sur ce Trial HD, ils sont hyper rigides. Des fois, ça, tu crées des bounces. Ah, salut Burgon, ça fait plaisir aussi de te voir. Des fois, tu crées des bounces de fou furieux. Et des fois, tu te tapes une rigidité d'enfer. Mais même Clara Morgan te file pas une rigidité pareille, quoi. C'est un truc de dingue. C'est incompréhensible, parfois. Oh, mais non. Alors, par contre, la tête, elle est indestructible dans ce Trial HD. Mais alors, le dos, laisse tomber. Ah, ma femme rentre du boulot. Coucou petit cœur. Joyeux Saint-Valentin. Même si on l'a fêté hier. Elle dort. Elle a fait caca. On lui a donné son bain. Elle a pas été trop chiante, ça va. Non mais je te fais mon rapport pour toi, t'as travaillé toute la journée. Je sais, ma femme elle me dit je pense qu'internet s'en fout de ta fille si elle a fait caca et tout. Ouais mais bon, faut bien que je fasse mon rapport au général de la maison quoi. Hein? Ah, j'ai fait une faute à cause de toi. Ah, on lui a acheté un puzzle. 12 pièces. Bon, je suis passé. Oh. Oui, oui, ça y est, j'ai passé une heure de queue à la pharmacie. Ah, il doit être dans l'intérieur de mon blouson. Attends, je peux peut-être faire le zéro faute si tu parles pas. Allez, femme, faut les... Sinon, on se fait marcher dessus. Tu sais qu'il y en a un, il m'a insulté en commentaire. Hein, mon cœur, t'es là? Y'a Nathalie qui dort pas? Ma fille qui dort pas. Hein. Tu sais qu'il y en a un qui m'a insulté sur une de nos vidéos? Il dit ouais, t'as l'air d'être un sacré connard d'insulter ta femme en mode vas-y, ferme-la, espèce de gonzesse et tout. C'est le mec qui connaît rien à ta vie mais qui te juge sur une seule réplique un peu humoristique. Bah, je l'ai banni. Hein. Oh, ce rattrapage ninjesque! Yeah, man. Ça date, Trial HD. Bah, 2009, si je dis pas de conneries, c'est 2009, Trial HD. Si je dis pas de conneries. Oh non! Oh oui! Throttle control! Oh là là. Là, je stresse de faire une faute à la con. Du coup, j'ai peur de pas avoir assez de vitesse pour certains gaps. Allez. Oui, c'est le zéro. Oui. Yes. J'ai explosé Cruxy. Yeah. Ça, c'est la classe. Tu sens le skill qui monte. Un gros bisou à toi, Cruxy. 16 fautes. Oh la vache. Bah dis donc, Cruxy aussi, à mon avis, il débutait sur Trial à ce moment-là, 14 foot. Bomb Injustice. D'accord, ok. N'hésitez pas à me dire dans le chat si le... Oh là là, ah là là, ah oula, j'avais oublié. N'hésitez pas à me dire dans le chat si le son du jeu n'est pas trop fort par rapport au son de ma voix. Donc c'est comme ça, je disais, c'est un nouveau setup. Donc je suis pas encore au point au niveau mixage son. Donc n'hésitez pas à me dire si le son du jeu est trop fort, le son de ma voix est trop fort et ainsi de suite. Oh là là, mais comment on fait déjà ici?
Ah ouais, faut bien que je prenne la rampe. Ah oui, c'est vitesse maxi. Oh là 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 là. J'aimerais bien voir passer bien le début. Voilà, là c'est bon. Ah oh, bah d'accord, j'ai rien cassé ce coup-ci. 2001. D'accord, 2001. Ah les salauds! C'est la course à piège, je m'en souviens, c'est la course où il y a que des pièges. Putain. Ça va, c'est pas trop mal. Ah oui, c'est pas trop mal, ça veut dire quoi? C'est trop rapide, c'est trop. Ouais, super. Oh, ouais, super. Je veux dire, c'est trop fort, le son du jeu est trop fort, le son du jeu est trop faible. Si tu dis que c'est pas trop mal, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce qu'il faut que. Je diminue un peu le son. Aïe! Je diminue un peu le son du jeu. Ah ouais, je comprends pourquoi j'ai fait 14 fautes là-dessus. Putain. Ah ouais, c'est que des pièges. Oh la vache, j'avais totalement oublié ce circuit. Circuit à la con. Ah oui, mais. Ah oui, je m'en souviens de ce circuit à la con. Il était amusant. C'était vraiment amusant. Oh le salope. Oh le salaud! Salut Cornithorynque! Putain, mais c'est Way of the Machine ce circuit! 12 fautes, attends, on va faire mieux quand même. Attends, maintenant que je sais ce qu'il faut faire et que je m'en rappelle de la ligne de course, ça devrait passer un tout petit peu mieux. Et je pense que je ferai le zéro faute tranquillement en off. Ah, mais c'est vrai, faut pas aller trop vite ici. Je sais pas du tout. Ouais. À toi? Bah, je vais offrir un puzzle à ta fille. Pourquoi tu voulais un cadeau aussi? Ce soir, ça compte si je te fais un cadeau? Salut, monsieur Devil Dog. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Putain, sérieux. Mais bordel. Voilà. Donc là, je suis allé trop vite. Je sais pas si ça va le faire. Oh les salauds. Oh, ce circuit de merde. Oh là là, je suis bien. Wouhou. Pas trop vite, pas trop vite. Ah, je suis allé peut-être trop vite. Wouhou. C'est bon. Attends, doucement, doucement. Non, mais quel con, faut les. C'est pas grave. L'envoyer tout doucement. D'accord. D'accord. Alors là, ça c'est un truc dans Trial HD. Des fois, tu meurs, tu sais pas pourquoi. Ah merde. Ah, c'est vrai, faut aller super vite ici. Oh merde. Oh là. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai changé de pseudo, c'était El Kangourou, un délire avec des potes. Ah, mais je t'ai toujours vu sous Cornithorynque, moi. Ça me dit rien, tes histoires de kangourou. 8 fautes, allez, on peut faire mieux. Bah, essaye. Trop vite. Non, pas encore. J'avais pas spécialement faim, j'ai bien mangé à midi. Mais je suis demeuré. Ah vas-y, vas-y. Attends, bon, je réessaye une dernière fois, et puis si j'y arrive pas. Ah bah vas-y, vas-y. J'ai pas faim, j'ai pas faim. Prendre une petite soupe après le stream. Prendre une petite soupe après le stream, tranquille. J'ai pas très. Mais non, j'ai pas très faim. Oh, ce passage. Elle a peur, allume les lumières. Si tu veux. Ah, sinon, on regardera demain. Bon, on va s'arrêter sur 8 fautes sur ce circuit. Je le ferai en off. Trial Tribulation, j'avais fait 15 fautes. T'es la manette.
Attends, attends. Alors pourquoi j'avais fait 15 fautes à l'époque sur ce circuit? Bah la tienne? Oui, bah je peux pas me tromper, il y avait qu'une carte. Bah l'autre elle est périmée donc je peux pas me tromper. Tu vas acheter Rocket League ou pas? Tout le monde m'en parle de ce jeu donc je l'achèterai même juste pour essayer. J'ai aucune idée si ça va me plaire ou pas. Je pense pas que ça va m'intéresser parce que c'est quasiment que du multijoueur et moi le multijoueur ne m'intéresse absolument pas. Mais juste pour tester en local, en solo, je pense que je vais me le prendre. Juste pour tester, voir cet engouement, pourquoi il est aussi génial et pourquoi il est aussi exceptionnel, mais je pense pas qu'il m'intéressera des masses. D'accord, c'est pas ça. Oh là là, mais. Comment je fais moi? Oh là là. Putain. Putain mais j'arrive pas à monter ça quoi, sérieux. Oh, je déteste les plateformes où il n'y a pas assez de. Voilà, il n'y a pas assez d'espace pour respirer, ça m'angoisse et je fais des conneries à la con. Voilà, comme ça, là. Ça m'angoisse et je fais des conneries à la con. C'est comme se dire, tu achètes Counter-Strike pour le solo. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais le jeu m'intrigue, mais je sais que, de toute façon, en line, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps libre, en fait, pour jouer en ligne. Donc j'essaye d'éviter ce genre de jeu, mais il m'intrigue en même temps, il m'a l'air assez sympa. Putain, je peux faire le 0 faute, j'ai fait 3 fautes quoi. Y a rien de spécialement compliqué. Ah oui, là, il faut que... Ah oui, putain, c'est une demi-lune ici. Je suis sûr que si on le maîtrise, en fait, on n'a pas besoin de demi-lune, mais bon. Je déteste la rigidité de cette putain de roue avant, elle est juste hyper casse-couille quand on doit faire des marches arrière. Ok, 20€ pas cher avec 1,99€, t'as la voiture de Retour le Futur. Voilà, au moins ça me donne une petite connerie à acheter avec la voiture de Retour le Futur. Disons que ça me fait une carotte pour avoir l'envie de l'acheter ce Rocket League. Allez. Ah. Attends, on dirait le Black dans le cinquième élément. Corbin Dallas. Non, 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 t'écrases pas au plafond. Voilà. Voilà. Oh non. Je fais comment maintenant? Et c'est le zéro faute. Yeah. Voilà. La médaille de platine, elle est à 39 secondes. Je suis à 54 secondes. C'est horriblement difficile les platines dans ce jeu. Classique, 20 fautes, putain, j'avais fait à l'époque.
C'est mes scores d'époque, hein, comme je me suis répété plusieurs fois. C'est mes scores d'époque. À l'époque où je savais vachement bien jouer à Trial HD, où Cartoon était plus fort que moi et tout. J'ai aucune idée, c'est par où? C'est par là. Je suis sûr qu'en le prenant vite, le saut, en fait, on passe, on fait un cut. Ah non, c'est vrai que dans ce Trial HD, il bloque plus le moteur. Pourquoi m'a décroché? Non! Ouh! Oh putain! Oh, le coup du lapin! Non! Parce que là, je m'en souviens, à chaque fois, j'accrochais les vitres et je me cassais la gueule. Zéro faute du premier coup! Wouh! Pour vous dire que. J'ai monté en skill. Roi de la colline, 10 fautes. J'avais plus de batterie. Lila, quoi? Oui, ouais, j'ai entendu, j'ai entendu. Oh putain, mais. Comment on fait celui-là? Ah ouais? Ah voilà, ça y est. Ouf. Oh le climb, oh le climb, oh le climb! Yeah, man! Ah non! Oh non! Shit! Oh non! Oh putain! Là ça va être dur. Ouais. Mais il m'a insulté en mode connard et tout. Alors que je t'ai jamais insulté. Oui, mais il l'apprenait de la mauvaise façon. Hein? Peut-être amoureux de toi. À mon avis, c'était la Saint-Valentin et il était célibataire et il supportait pas que moi je puisse t'envoyer des blagues douteuses. Alors que lui, il avait que sa main droite pour s'engueuler. Ou gauche. Non, les gaucheux sont un peu plus gentils généralement. Non, mais quel con. Ah bon? Les gauchers sont toujours gentils, les gauchers. Il est long ce circuit! Ah oui, putain, faut freiner à cet endroit-là. Oh là là. Des nouvelles d'ABZ? Zéro nouvelles d'ABZ. Même sur Twitter et tout, je le vois plus des masses. Cette faute? Putain, attends, on peut mieux faire, on peut mieux faire. Putain! Ah salaud, la mini marche là, qui est bien casse-couille. Oui, on est très gentils, nous les gauchers. Regarde Link, il est gentil. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça. C'est notre porte-étendard, Link.
comme héros gaucher, alors quand ils l'ont mis droitier à cause de la Wii U, à cause de la Wii et de la Wiimote, putain, j'en ai voulu à Nintendo. Hein. J'ai rien trouvé d'intéressant, mon cœur. Je t'en ferai un beau, t'inquiète pas. Je l'ai trouvé vachement cool, ce mouvement-là que je viens de faire, là, je trouve. Oh non. Oh non. Ouf. Oh, ce rattrapage. Zéro faute? Ouais! Zéro faute! Médaille de platine! On a envie de gaucher, au secours! Je suis gaucher, je suis gentil. Ma prof m'appelle la force tranquille. Tu vois, les gauchers sont gentils. Cornitorin, il est gentil. Mais c'est qui tu connais qui n'est pas gentil? Je suis pas gentil, moi? Ah! Mais qui c'est? Ton chef? Misa? Toi? La roue de l'antifortune, 3 fautes. C'est tout? Ah oui, d'accord, j'avais oublié. Ah, merde. On va d'abord voir à quoi ressemble la ligne de course. D'accord, faut surtout pas aller sur les roues. Quoi. D'accord, ça c'est un cut qui doit être horrible à prendre. Ouais, il est impossible à prendre si on n'a pas la vitesse. Ok. Oh, ce vieux viandage. Tu feras attention, on voit tes baloches. Merde, j'ai la braguette ouverte. Salut Plokmi au passage. Non, non, c'est bon, je l'ai refermé. Ah, ma femme, elle me dit souvent j'ai la braguette ouverte. C'est sous un malentendu, on sait jamais, hein. Faut toujours être prêt à l'action. Ah, c'est comme ça que l'autre il m'avait traité de connard. Oh, quel con. Putain, j'avais fait 6 fautes. Je peux faire 0 faute tranquillement. J'ai fait une vidéo sur Ah merde. J'ai fait une vidéo sur Unravel. Ah mon cœur. J'étais assez rude sur Unravel. Avec la ficelle, ouais, exactement. J'étais assez rude. Un peu rageant. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Unravel. J'aimerais vraiment voir votre avis. Savoir si je suis le seul déçu ou si vous êtes aussi déçu par ce Unravel. Merde. Oh putain, je suis sûr que je peux le faire. Et du coup, j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo de présentation, tu sais, d'une demi-heure sur Agatha Christie. Tous les deux. Là, non, parce que ça, à un moment donné, ça me prend une bonne partie de la soirée, les circuits difficiles et les circuits extrêmes. Mais demain, avant Sherlock. Ouais. Demain, t'as Zumba. Bah, après la Zumba. Ah, là, je vais avoir le cut. Là, j'ai le cut. Nickel. Y'a un autre cut? Y'a un cut dans le cut? Des fois y'a des cuts dans le cut dans les trials. Non, y'a pas de cut dans le cut, par contre, je suis casse-gueule. Je vais être trop court! Je vais être trop court! Je vais être trop court! Wouhou! Je suis trop loin! Je suis trop rapide! Et merde, j'ai raté le cut. Bon, c'est pas grave, Les salauds! Oh la fausse joie! Oh la débandade! Oh là là, la grosse débandade! Mais vraiment déçu, hein. Unravel très déceptionné de la chose. Je vous invite à voir la vidéo, je lui ai vraiment taillé un costard. Et pourtant c'est rare hein, que je rage sur un jeu. Sachant que j'ai réussi à prendre... Oh là là, oh non, oh non, 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 non. J'ai réussi à prendre plaisir sur des jeux comme Mon Cheval et Moi 2. Ou alors les Crash Time. Hein, les Crash Time, c'est pondu par RTL9 et c'est...
C'est un jeu sur la licence Alert Cobra, si vous connaissez la série Alert Cobra. Il y en a 5 des Crash Time. J'ai les 5, j'ai aimé les 5. Voilà, c'est pas quand c'est un petit jeu, c'est... Non, non, c'est qu'il y a vraiment des sacrés défauts de game design, de level design, de cohérence, qui sont très prises de tête. Et je joue n'importe comment, mais je fais pas de faute, mais je vais être trop court. Mais ça va, je vais être dans le... Je vais être dans la route normale. J'ai raté le cut, mais je vais être dans la route normale, en fait. Ouhou ! Je déteste les roquettes. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah pourquoi ? Oh ! Oui ! Oh non ! Ah c'est bon. Bon, le chrono est dégueulasse. Oh médaille d'or, le chrono est dégueulasse, mais zéro faute, c'est le principal. Danger industriel. 17 fautes j'avais fait. Oh, Trial HD, ça c'est bon. Je ne joue plus à Trial depuis l'enculade que je me suis pris avec Fusion. Je t'invite à te remettre sur Trial. Depuis qu'il y a eu tous les DLC avec le Awesome Level Max, l'enculade s'est transformée en jolie petite pipe. Et franchement, tu peux y aller. Puis tu sais, Fusion, bon, au début c'était un petit doigt dans le cul. Bon, c'est gênant le petit doigt dans le cul au bout d'un moment. Mais une fois que tu t'y habitues, tu peux même y prendre plaisir. Donc je t'invite vraiment à redonner sa chance à Trial, parce que c'est devenu l'expérience ultime de Trial, hein, sans problème. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, c'est génial ici. Faut aller où? Ah, faut aller en bas. On peut descendre. Putain, j'ai aucun souvenir de ce jeu, de ce circuit. Wouhou! C'est là. Et c'est qu'en plus j'arrive à faire très peu de fautes, voire zéro faute, alors que j'ai plus aucun souvenir des lignes de course, sachant qu'à l'époque, ah oui, je m'en souviens de ça. Sachant qu'à l'époque, comment on appelle ça? J'ai poncé les courses un maximum pour faire le minimum de fautes possible. Et là, sans entraînement, sans me rappeler des lignes de course, et ben je... Zéro faute quoi, zéro faute. On va tenter la médaille d'or vu qu'il est pas spécialement difficile ce circuit. Donc on va tenter la médaille d'or. Quel sera le prochain Trial Psycho? Bah je ferai du Trial Fusion une fois que j'aurai fini ce Trial HD. Pour revenir sur les best of track, le truc classique et tout ça. Mais là c'est vraiment pour le... Salut monsieur Yoshi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça fait plaisir. Il est mieux celui-là ou le Fusion? Ça c'est le premier Trial, Trial HD c'était le premier Trial. Ensuite il y a eu Trial Evolution et maintenant on a Trial Fusion. Donc là c'est vraiment le mode nostalgie parce qu'il est sorti avec la rétrocompatibilité en fait. Ah oh, fuck. Donc tu veux l'expérience ultime, tu vas sur Fusion. Voilà. C'est Fusion. Là c'est vraiment le mode nostalgie. Par contre, il est beaucoup plus difficile que Fusion. Et je fais que de la merde. Oh, putain. Ah, fuck! Oh, je suis obligé de tout redescendre. Oh là là. Ah oui, c'est pas comme ça que je vais avoir la médaille d'or, moi. Sauf si je trace comme un biquet, mais... Je peux descendre ici, en fait. Accrocher toi. Avance! Allez! Mais... Oh! T'es censé glisser, Andouille! Neuf secondes de plus. Allez, je le retente un coup. Trial HD sur One, comment t'as dit que c'est rétrocompatibilité?
Comme t'as dit, oui, c'est oui, tu peux la, tu peux, si tu l'avais pas à l'époque, tu peux l'acheter sur One maintenant et y jouer. En fait, ça émule la 360. Mais si tu l'avais à l'époque, t'es pas obligé de le racheter, il suffit juste de le retélécharger. Et ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Tu peux me regarder tellement je suis. J'ai rien trouvé. Franchement, j'ai fait un petit tour et tout. Et je me suis dit, peut-être passer à la boutique tri, mais vu qu'on va s'acheter des gros bijoux prochainement. Bah, on va s'acheter les alliances prochainement, donc. Oui, c'est pas des gros bijoux, c'est une bague. Mais si tu veux des gros bijoux ce soir, on peut s'en rendre. Non? Non, t'as pas l'air emballé. C'est pas des bijoux? C'est mes bijoux. Il y a encore des gars qui vont m'insulter sur internet. C'est bon? Oui, médaille d'or. Les gens, ils sont tellement prudes sur internet, c'est un truc de dingue. 10, 10 fois que j'avais fait. Salut Ilgesh! Et l'évolution, pareil. Non, pas l'évolution. Je pense qu'à terme, il sera rétro-compatible aussi. Mais pour l'instant, il ne l'est pas. Mais je pense qu'à terme, il le sera. 2001? Ah non, même pas besoin de faire de 2001. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Elle s'en va. Non, hier j'ai dit j'annule le stream du soir pour cause de Saint-Valentin. J'ai eu une fille sur Twitter, elle a dit oh, c'est trop cute. Ah, mais en fait, si je fais ça, je peux topper le cut ici. Ah, ouais, mais après, faut le gérer quoi, le cut. Je m'étonne de jour en jour, je me suis toujours dit que je ne ferais jamais de Peace Ninja, et bah je me suis trompé. Bah, dis-toi que moi, hein, moi c'est encore pire que toi. Alors, attends, c'est quoi déjà après? Ah oui, passe tranquillement. On jump. On jump. On rejump. Et on avance. Petit ventilo, je le vois arriver. Ventilo! Oh non! Oh non! Ah fuck! J'essaierai de le faire en zéro. Oh, une faute déjà. C'est quoi la suite de la course? Bah. En haut. Oh là! Oh là! Oh là là! Oh, deux fautes. Ah les salauds! Un petit mini-jeu. C'est Interville. Y'a plus de bouffe, y'a plus de champagne. Ah, c'est le dernier verre de champagne. Putain, t'aurais pu me mettre ça dans une coupe ou quoi. Ah bah je vais pas la refaire en 3 fautes. Est-ce que je la refais ou pas? Non, elle me saoule cette ligne de course, je la referai en off. Hein? Tout à fait. Derek mais pas l'inspecteur. Oula, 25 fautes j'avais fait. T'inquiète pas, j'ai île de gâche. T'inquiète pas, j'ai zoné trial joué par Psycho. Ouais, il y a deux pulls. Ah bah tu vois, je t'ai acheté un cap. En 12 pièces, je suis sûr que t'auras du mal. Par où après? Putain, j'ai aucun sou. Tu sais, les courses ça fait tellement longtemps. Bah, 2009, ça fait 7 ans. J'ai. Putain, j'ai aucun souvenir des courses. Est-ce que ça c'est un cut? J'imagine que c'est un cut vu comment il est casse-couille à prendre. Psycho, t'as des pistes sur HD? Oui, j'ai récupéré mes pistes. Et à l'époque j'avais CS2, McCorenzi en copain déjà. Donc j'ai récupéré leurs pistes aussi, une fois que j'aurai fait les extrêmes et tout ça, je ferai une vidéo avec les pistes que j'avais fait à l'époque où j'étais un créateur sur HD, parce que j'étais un créateur, j'étais pas un maître créateur, mais j'étais un créateur, j'ai fait quelques pistes qui sont relativement sympas. Semble à péter.
Ah putain, il est chaud ce circuit. On va dire que les BOT, je me les mate de temps en temps, c'est gentil. Eh mais c'est pas possible, j'ai pas pris la bonne moto. Aide-moi sur 3-6, mais faut que tu me fasses une liste. Je suis méga tête en l'air, plug et HP. Pareil, il faut que je fasse les pistes de HP, mais je vais être méga tête en l'air. Si tu peux me mettre juste un mot sur le forum, en fait. Tu mets un mot sur mon topic, sur mon forum. Le mec, quoi. Maître créateur, tu sais, genre, je me la pète et tout. Oui, mais c'est pas constructeur, ça. Justement, c'est une référence à Lego Movie, mais avec le petit côté trial. Mets un message. Poirot, Plug Me, HP Dante, mettez un message sur mon topic sur dédié à sur Trial FR que je pense à vous add sur la 360 parce que tête en l'air comme je suis, je vais zapper. Comme ça, vous pourrez mettre des super chronos sur mes circuits sur Trial HD. Ça va être un honneur monstrueux. Mais par contre, pour l'instant, vous pourrez pas m'ajouter en ami parce que je suis en trop d'amis. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce circuit de... Oh d'accord, c'est un cut ça? C'est par où après? En bas? Mais qu'est-ce que c'est que cette ligne de course? Oh, il y a des cuts partout. Mais le truc qui est casse-couille, c'est que c'est des cuts qui te font casser la gueule. Si t'es pas au bon moment de tout. Ah, c'est la fin. Oh, une faute, les bouboules. Mais c'est tellement casse-couille, je le ferai en off. Vol, Forest, vol. 23 fautes. Moi, je l'en ai mis presque partout, nanani naner. Moi, j'ai juste à dire. Mais Nono, on se connaît depuis tellement longtemps, Nono. Oh fuck! Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ces circuits? Ils avaient pas la même compréhension de qu'est-ce qu'un circuit difficile à l'époque avec une bonne ligne de coupe. C'était un peu Picasso période déstructurée quoi. Je me suis fait surprendre, j'ai totalement pas compris que ça allait se passer ça. Mais arrête! Voilà! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ça. C'est mode Mario à cet endroit-là. Putain, j'ai failli me faire craper le chignon. Oh non, encore lui. Non. Aucune zéro, que dalle, petit, que chi. Tu veux que je l'appelle demain? Zéro faute, yeah man! Alors, un chrono dégueulasse, moins 2 minutes. J'ai battu mon record de 2 minutes par rapport à la dernière fois. Fumée, miroir, 45 fautes, 4 minutes 06. Accrochez-vous. Je sens que je vais kiffer regarder la vidéo sur YouTube. Nono. Ouais, ça date les premiers One Life Gamer. Pour moi, malheureusement, plus trop le temps de commenter, mais je regarde par moments surtout les best-of et les level karma. Ah, les level karma, je prends un pied d'enfer dessus. Pour te dire, même moi, je trouve plus le temps pour regarder mes propres vidéos. Il y a plein de vidéos à moi que je ne regarde plus. C'est un truc de dingue. Tellement je manque de temps. Alors, 4 minutes et 45 fautes, je vais faire combien maintenant? Oh putain, je suis entre le cut et le... C'est bon. Ouh, la bombe. La piste grotte mystérieuse, c'est ninja level. Oh, j'en sais rien du tout. Faudrait demander à un professionnel qui est là. Je veux dire aux professionnels qui sont là.
Oh là là! Mais c'est du ninja level 1 là! Wouhou! D'accord. D'accord, faut aller tout doucement en fait. Je fais quoi moi? Quoi? Attends, je peux prendre le cut en haut. Taïo! Non, je peux pas. Comment je fais là? Alors, comment je fais pour passer normalement? Ok. D'accord. Ok, en fait, faut pas aller doucement. Putain. Putain de panneau de tortue à la con. Ah, ok. Ok. Putain mais... Oh la vache! Il y a des pièges partout! Eh hey, bah dis donc, j'ai fait 11 fautes! Maintenant que je vois à peu près la ligne de course, on va la refaire, on va retenter. Bon, je vais juste vous faire coucou, je bug tellement... Bye bye, île de gâche! Merci d'être passé en tout cas. Ok... Bah comment j'étais passé tout à l'heure? Ouais, ça marche. Non, faut aller doucement. Oh, je passe au-dessus. Oh, les salauds, on peut cutter au-dessus. Oh, je peux largement le faire en zéro faute. Allez. On va tenter le zéro faute. Oh non, bah ça sera pas le zéro faute. Oh merde, ça sera même pas le deux faute. Ah allez, je retente un coup. Putain mais oh là la vache, quand tu prends le cut, comment on récupère le passage à ce moment-là? Oh la fuck. Oh mais merde. Là, le temps que tu peux gagner, j'imagine même pas le temps de la platine dans ce niveau. Attends, on va pas prendre le cut parce qu'après je sais pas le passer. Oh non! C'est pas grave. Oh merde, je suis court! Putain, mais quel con! Oh, mais quel con! Ça marche ça? Sur HD, ça marche ça? Non, ça marche pas ça sur HD, j'ai l'impression. Ça marche pas. Dis-moi, tu as une nouvelle donnée à BZ de Noctis? Noctis de temps en temps? À BZ, 0. Que dalle sur ABZ. Noctis, je l'ai en ami sur Facebook, donc de temps en temps on discute.
Mais non! Oh, la course qui était ultra simple va se transformer en enfer sur Terre. Et je la retente encore deux ou trois fois et puis je passerai à la suivante. Mais le zéro faute, il est largement faisable sans trop de difficultés. Pourquoi? D'accord, je passe même plus ça. Oh là là, mais je fais nimp, je fais que de la merde. Ah oui, c'est une grosse dingue des Call of Duty, Noctis. Avant, elle était en team et tout, je sais pas si elle est encore en team. Merde, j'arrive plus à le passer comme il faut le passer. Oh. Bordel. Oh là 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 là, attends, un minimum de concentration quand même, s'il te plaît, psycho. Parce que là, c'est ridicule. Bon, comment je le passe cette putain de tortue? Oh là là, je l'ai! Voilà, allez. Là, j'ai une chance de le zéro fauter. Allez. Oh non! Je suis pressé, encore doucement. Mais non, pas trop doucement non plus! C'est bon, zéro faute. Eh bah dis donc. Je l'aurais lutté celui-là. Eh, médaille d'or, cool. Donkey Kong. 49 fautes. 5 minutes. Far Cry Primal est trop vendu comme un standalone, selon moi, tout se justifie de cela, sauf son prix, merci Ubisoft. Bon, je sais pas, oh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai... Ah, c'est fait exprès. J'ai la Donkey exprès dans ce circuit, c'est imposé. Je sais pas encore ce qu'il vaut Primal, mais c'est vraiment la mode de la préhistoire. Ah, ça y est, on a trouvé une époque qui a jamais été faite et qui marche vachement bien, on va la faire. Et tout le monde l'a fait. Ok, qu'est-ce... Ah, mais c'est une demi-lune qu'il faut faire ici. Je crois. Je déteste la Donkey. Ah, c'est ça, c'est une demi-lune. Alors pourquoi j'avais fait 45 fautes? C'est où que j'avais lutté avec la Donkey? Ok. Aller trop vite, ok. Donkey de merde. Oh! Ah, la Donkey est hyper maniable comparée à Fusion. C'est vrai que la Donkey sur Fusion, laisse tomber. Et... Attends, on va la refaire. On va la refaire, on va la refaire. Parce que là, ça devient ridicule. Addictiz, la division a l'air top. Oui, mais pareil, division a l'air top, mais pareil, c'est un jeu en multi. Moi, les jeux en multi, j'ai pas le temps de m'investir dessus. Donc, c'est chiant. Donc, profitez pendant que vous êtes à l'école, pendant que vous avez pas trop de vie de famille et tout ça, pour jouer un maximum, parce qu'après, c'est fini. Je veux pas vous faire peur, vous démoraliser, mais.
là là, je la referai pas ce circuit. Hein. Je vais lutter pour taper le zéro faute. Hein. Je vais quand même essayer après en off de taper les zéro faute et avoir les médailles d'or. Mais je sens que je vais lutter. Oh non, fallait vite. Fallait aller vite. Oh les salauds, c'est ça. Je m'en veux plus. Ça a un bruit de tondeuse à gazon. Ouais. Oh non! Ah c'est la fin, putain! Comment j'avais fait 45 fautes? Ça va, 8 fautes, mais je la referai pas maintenant. Hein, les donkeys.